Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Les vacances se passent bien. Bon, aujourd'hui, on est tout coloré, on va peur. J'ai mon petit doudou à vous présenter. Pas
partez, le wagon rempli de moi. Quand je pars avec mon eau. Je vous sois habitué, je pars avec mon eau. Vous pouvez voir le plus grand wagon, moi je suis celui qui est bien rempli. Et sincèrement, ça tient pour une bonne dizaine de jours, 10 à 20 jours. J'ai mon wagon. J'ai pas d'eau calcaire à utiliser ce monsieur. Enfin bon, c'était une petite parenthèse. Donc, le wagon. Ensuite, accompagner, bien entendu, bon, il faut nourrir les cheveux. Donc, vous avez la possibilité de faire 13. Vous retournez sur votre leave-in que vous avez utilisé auparavant. Oui, un double emploi. Il fait toutes les fonctions. Vous retournez dessus. Donc, vous utilisez votre leave-in. Et ensuite, vous pouvez sceller votre hydratation soit avec du beurre de karité. Moi, j'ai mis dans un pot. Donc, un pot. Voilà. Du beurre de karité. Très simple. Parce que mon pot est très gros. Donc, bien sûr, je me fais des formats royales. Prenez aussi. Du beurre de karité. Ou sinon, j'ai ce beurre de mango. Qu'on aura fait ça, les cheveux sont hyper hyper. Donc pour celles qui n'aiment pas trop tout ce qui est beurre après la crème, vous pouvez utiliser de l'huile. Donc moi je pars aussi avec de l'huile de macadamia. Alors pourquoi je vous montre ces trois éléments là? Parce que sur 10 jours, bon voilà, les cheveux peuvent être différents et en fonction je verrai ce qui convient le mieux. Je vous explique. Le beurre de karité est riche, le beurre de mango est riche et l'huile de macadamia est riche. Un peu plus léger que tout ce qui est beurre, je mettrai mon huile de macadamia. D'accord? Donc c'est pour ça que je pars avec ces trois éléments-là, pour être sûr qu'au quotidien, je n'ai pas de soucis. En tout cas, mes cheveux restent toujours doux et surtout si je vais au soleil, l'huile de macadamia, best friend. Donc voilà, donc, tout ce qui est du quotidien. Alors bien sûr, pour ce qui est du soir, si vous voulez dormir, bien sûr, il vous faut un foulard en satin toujours. Même si on est en vacances, on prend le foulard en satin. Voilà, le dos, tout ce que vous voulez, machin, tu vas en satin. Toujours, on a toujours besoin, toujours besoin. Donc voilà. Et bien sûr, après, bon, les cheveux évoluent comme il veut. En vacances, on est pas en mode parcours, on n'a rien. Bien sûr, on part avec ses accessoires, comme vous avez montré dans la petite vidéo, on va donner le nouveau. Plus, on part avec petits accessoires. Pouvoir augmenter la peau tranquillement, partir en vacances sans prise de tête des cheveux. Tout va bien, mon petit niveau, celui de et moi. Donc voilà, j'espère que ces petits éléments vous ont plu. Donc je vous ai montré moi ce que j'embarque avec moi quand je pars en vacances. Donc ce sont des petites choses. Donc bien laver les cheveux pour la partie soin, co-wash living, donc je choisis soit celui punch de la marque de papier, soit le contour. Ensuite, pour ce qui est du quotidien, bien entendu, j'ai soit, mais bien sûr, mon vapeau d'eau, d'eau que j'ai ramené de chez moi, si je sais que là où je vais, l'eau, c'est ma top. Donc voilà. Ensuite, j'ai mon beurre de karité, mon beurre de menthe, mango butter, mon huile de macadamia de la marque naturelle Univers. Et comme ça, je sais en fonction de l'état de mes cheveux, de quel niveau d'hydratation ils ont besoin, s'ils ont besoin de quelque chose d'assez lourd, d'assez léger. Et surtout, ils sont toujours protégés avec mon huile de macadamia. Donc voilà, et bien sûr, on embarque le bonnet en satin pour se protéger les cheveux le soir, même si on est en vacances. Et bien sûr, tous les accessoires que je vous ai montrés pour faire la folle. Non, pas pour faire la folle, pour vous coiffer, pour agrémenter vos coiffures, et voilà. Et bien sûr, un petit dernier. Vous savez que vous oubliez la KBF? Oui, je veux ça. C'est le Wanda Flower dans leur nouvelle collection. Donc moi, c'est sûr, je pars en vacances avec. Et je pars en vacances bientôt. Merci, écoutez. Je pars en vacances, je partirai. C'était rapide, mais je pense que ce serait efficace. Et c'est tout ce que je vais mettre. Parce qu'en fait, ça c'est bêtement une maillot, tout ça, et une lunette de soleil, tout ce qui est bien.
J'aime les vacances, j'aime le soleil, j'aime travailler aussi, mais quand il faut se reposer, je suis à fond. Voilà, je vous embrasse. Enfin bref, donc voilà, je vous remercie merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à partager ma vidéo autour de vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et bien entendu, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, on like, on partage, on commente, on partage, on commente, on like, on s'abonne.